Alors moi, je voulais dire, qu'est-ce que je ferais si j'avais plus d'argent ? Eh bien, je crois que je serais dans une peur terrible et je serais prêt à tuer mon voisin. Parce que s'il n'y a plus d'argent, qui va me faire manger ? Qui va m'habiller ? Je ne vois pas cette transition, je ne comprends pas. En effet, je trouve qu'il y a vraiment un trou entre ce qu'on essaie d'imaginer, que je trouve difficilement concevable, et la réalité d'aujourd'hui. À l'école, on est conditionné très tôt, ce qui nous rend très difficile de sortir de ça. Tant qu'on n'aura pas... repenser nos écoles et travailler autrement, avoir le monde sans argent, ça va être très difficile. Si ça nous libère du temps, ça nous libère de la créativité. Et là, je peux vous dire qu'il y en a des solutions à tous les problèmes. Et comment ça se passe pour le logement actuellement en régime monétaire ? Donc je veux louer. Ou si je peux, enfin, si j'ai le moyen de louer aussi, ou si je réponds aux critères nécessaires pour pouvoir accéder à une location. Et en fonction de l'argent que tu as, la qualité du logement va varier. Et la durée de ton logement va varier aussi. Que se passerait-il au niveau du logement sans argent ? On est en 2029, il y a eu l'hyperinflation, on n'a plus de monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs points. La création d'un habitat et la rénovation d'habitats existants. Quand il y a une nouvelle petite famille de jeunes qui se marient, etc., bah, tous les gars du village viennent leur construire leur maison. Amusez-vous à faire le tour en repérant tous les bâtiments qui ne servent qu'à la circulation monétaire. Et il faudra des locaux. Donc je ne suis pas sûr que les locaux qui servent actuellement de banque ne devraient pas servir ensuite de lieu de gestion. Si vous êtes en dehors du système argentique, vous n'avez pas à baisser les coûts. Vous avez simplement à chercher la qualité pour la qualité. Mais là, ce que vous me demandez d'imaginer, moi, je vois le chaos complet. C'est un problème purement intellectuel. C'est un très bon exemple. Et je comprends tout à fait ce sentiment de peur. C'est à force d'y réfléchir petit à petit qu'on s'aperçoit que cette peur, elle vient du système monétaire dans lequel on est actuellement. Il ne faut pas oublier que dans un système post-monétaire, vous n'avez plus toute la pub. Or, la pub, c'est ce qui bouffe énormément d'énergie. Les sites internet, tout ce qui ralentit les systèmes, c'est tout lié à la pub. L'information, elle coûte que dalle.